12 aliments et plantes qui purifient les poumons. Purifier ses poumons permet de les détoxifier des infections, de réduire le risque de cancer et d'améliorer la santé du système respiratoire. C'est particulièrement recommandé aux fumeurs et aux personnes qui vivent dans des lieux pollués. Voici les aliments et plantes les plus efficaces pour purifier vos poumons et guérir vos infections respiratoires. Les inhalations avec des huiles essentielles. Vous devriez faire des inhalations d'huile essentielle de romarin ou d'eucalyptus 2 ou 3 fois par semaine. Ceci nettoiera vos poumons de germes éventuels. Vous n'avez pas besoin de posséder un équipement spécial. Il vous suffit de verser de l'eau chaude dans un grand bol, d'y verser quelques gouttes d'huile essentielle, puis d'inhaler après avoir recouvert votre tête d'une serviette de toilette. C'est un exercice agréable, qui dégage le nez comme les poumons et vous sera donc utile si vous avez des problèmes respiratoires. Les meilleurs aliments pour purifier vos poumons. Il existe d'autres moyens de purifier vos poumons, notamment des changements au niveau de ce que vous mangez. Nous savons tous qu'une alimentation saine est cruciale pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Nous vous conseillons donc de consommer de l'eau, des fruits et des légumes. En ce qui concerne la santé de vos poumons en particulier, les aliments suivants vous seront bénéfiques. Le piment rouge. Le fait qu'il soit piquant vous débarrasse du mucus. Cela commence par le nez, qui commence à couler quand vous mangez de la nourriture épicée. L'effet est le même à l'intérieur de votre corps, d'où il évacue aussi le mucus. L'eau. L'eau reste encore le meilleur moyen de nettoyer l'organisme. Essayez d'éviter le café, les sodas et l'alcool et tenez-vous en à l'eau pure, qui accélère le processus de détoxification de votre corps. L'oignon. En nutriments, les oignons combattent efficacement de nombreuses maladies, notamment les infections pulmonaires, en détruisant le mucus et les toxines. Les plantes et racines qui détruisent le goudron, les toxines et le mucus. Le gingembre. Le gingembre facilite l'élimination des toxines par le système respiratoire. Pour ce faire, buvez-en sous forme de thé parfumé au citron. Vous pouvez aussi prendre un bain à la poudre de gingembre. Enfin, vous pouvez manger un petit morceau de gingembre à chaque repas. Cela améliorera votre digestion, et donc le processus de purification de votre corps. La mollène. Le thé à la mollène est très bénéfique aux personnes qui ont les poumons contaminés, ce qui est fréquent chez les fumeurs. Soyez cependant prudent avec cette plante car les petits fils présents sur ses feuilles peuvent être difficiles à absorber. Le raisin des ours, Uvea ursi,
et le tussilage. Quand on arrête de fumer, il est très important de purifier ses poumons des toxines. Ces deux plantes ont cette capacité. De plus, elles renforcent le système respiratoire. Les plantes qui guérissent. Les choses à éviter pendant que vous purifiez vos poumons. Évitez le sucre, la farine blanche et les produits laitiers car ils encouragent la formation de mucus dans le corps. Évitez le stress. Évitez les lieux où les fumeurs sont nombreux si vous essayez d'arrêter de fumer.